Alors, suite à cette formation action, on a constaté plusieurs éléments, plusieurs choses. La première, c'est une réappropriation du projet global d'éducation qui est souvent méconnu par l'ensemble des acteurs locaux, soit parce que il y a une rotation des effectifs sur le territoire, ou parce qu'il y a une mécommunication du projet global à destination non seulement des acteurs éducatifs, mais aussi à destination de l'ensemble des enfants, des parents, partenaires associés à ce projet. Le deuxième élément, c'est que on a constaté que l'ensemble des acteurs contribuant ou participant de cette formation se découvraient et partageaient bien souvent des mêmes pratiques ou une même visée éducative à destination de l'enfant. Donc ça a contribué à faire communauté éducative au service d'un projet. Enfin, sur la communauté de communes de Nozay, ça a permis de dégager des pistes d'amélioration du PDT, tant sur le volet communication que en termes d'action, et notamment à travers le développement de formations à destination des directeurs d'école, coordinateurs enfants-jeunesse et des animateurs sur les compétences psychosociales. Et en dernier lieu, ça nous a permis, avec les élus de la collectivité et les partenaires institutionnels de ce même projet, de partager sur les modalités de gouvernance et l'articulation, comme je le disais tout à l'heure, entre le niveau local et le niveau intercommunal, dans un souci de contribution du plus grand nombre à ce projet.